Voyons voir cette île. Valata. Il 5 étoiles. Valata qui est vraiment une référence à la Martinique d'ailleurs. Qui en jeu s'appelle Tortue. Vous avez déjà un animal loading. Le jeu où il y a plus de loading au monde. Et loading idiot. C'est un menu. Tu vois, je pourrais écrire normalement que je veux juste aller... je veux juste aller à tel endroit. Donc c'est Aimland, je crois que j'avais vu tout à l'heure. Ouais, c'était ça, c'était Aimland. Martinique, la life, ouais. En vrai, je voulais partir de Martinique, mais je suis bien en réalité. Oh, il m'énerve avec son remodel à chaque fois. On a de la chance parce que tout à l'heure, j'ai même cru qu'il allait me dire, ouais, bah écoute, tu refais ton questionnaire, mec. Tu me redonnes tes papiers d'identité, tu me redonnes ton nom, ton prénom, ton âge, là où tu veux aller, ta destination, ton passeport, s'il te plaît, ton test de coronavirus, histoire qu'on sache que t'ailles pas contaminé d'autres îles. Et non, ça va, ça passe. Ils sont marrants chez Amazon parce que j'ai reçu mon Final Fantasy VII Remake et en fait, ils m'avaient remboursé entre-temps parce que je l'avais commandé le 9 avril et qu'on est un peu le 27 mai. Ça fait 48 jours, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils m'avaient remboursé. Et là, comme bah, je leur ai dit que j'ai reçu le jeu, ils m'ont demandé s'ils pouvaient me prélever la somme ou si je pouvais renvoyer le jeu. Du coup, je leur ai dit non, que de prélever la somme, hein, puisque moi, je veux le jeu. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait payer 41,66€. Alors, pourquoi? Je sais pas. J'ai mon masque, t'inquiète pas. Oh, mais je m'inquiète pas du tout. T'es au printemps, toi, parce que t'as les arbres de cerisier. Ça veut dire aussi que tu time travel. Time travel. Je vais augmenter un peu le son du jeu. Voilà. Histoire qu'on entende le jeu. Je disais, pour les bruits que vous entendez, c'est les grenouilles qui font ça. Je sais que c'est bizarre, mais elles font un bruit qui est très strident. Que je kiffe, hein. Moi j'ai l'habitude. Hein. Bijour. Attends, je vais me mettre là. Tiens, je me demandais tout à l'heure chez moi, c'était celui-là, le Lopiquetron, mais je pense que tu l'as déjà. J'ai une figurine nostalgie, je pense que ça peut te plaire. Je sais pas c'est quoi le pull distingué. J'ai un pull distingué. Que je ne sais pas d'où il vient. Et j'ai des claquettes de la mort. J'ai deux fossiles si tu les as pas. Et j'ai un Manta Pucci. Alors moi j'aime pas, mais il y a des gens qui aiment bien. Du coup voilà. Je peux te servir, cadeau. Ouais, il me manquait deux oranges. Merci, c'est parfait. Et ça c'est quoi? La cruche en terre. Alors je crois que je l'ai déjà. Attends, en fait je vais tout prendre. Je crois que j'ai déjà la pancarte, je crois que j'ai déjà aussi, et je crois que la clôture en fer, je suis pas sûr, mais je pense que... on va voir, hop, c'est ça, la cruche, je l'ai, la clôture, je l'ai en fer, la pancarte, je l'ai, ah, le banc en fer, je l'avais pas, par contre, là, merci, le banc en fer de jardin, du coup, je te les remets, hop. Comme ça, tu peux les donner à quelqu'un d'autre qui les a pas. S'il les a. Nickel! Bon, alors cette île. Du coup, t'as aménagé ta plage avec un trophée de requin. J'ai pas encore les trophées, moi, je les ai pas encore fait. Ça, c'est quoi? Oh, c'est qu'on a le grand requin blanc, ça le met dans un. Putain, il faut que j'en pêche un, le grand requin blanc. Mais notre sorte de piscine, c'est trop bien. On va stresser un peu ce requin. Mange-moi. Mords-moi.
Moi j'ai un manège, d'une autre couleur si tu veux. Je vois si je peux t'envoyer. J'ai un manège rose bizarre. On a mis sur la plage parce que... Pourquoi pas, je suppose. Et ça c'est une île 5 étoiles. Elle se fout de ma gueule. Il n'y a pas trop d'arbres ici, évidemment. C'est quoi ces dessins? La zone parc. La zone... on va pas dire cinéma, mais la zone où tu viens, tu chill. Tu regardes les Power Rangers. Arbre de parc. J'aime beaucoup les arbres... Les arbres de cerisier. Mais quand je les ramène sur mon île, comme on n'est pas à la bonne période, ils deviennent normaux. C'est nul. Oh non, mais en fait, j'ai pas vraiment besoin de bois. Hein. Juste parce que j'aime bien secouer les arbres. Ça, c'est des arbres fruitiers. Alors, ça, c'est qui? Magogo. Un nom bizarre. Je crois que j'ai jamais vu Magogo. Magogo. Oh, yeah. Putain, c'est un singe, j'aime pas. Par contre. Par contre, elle craft, ça, c'est cool. Par contre, elle a déjà dit que je l'espionne, quoi. Une horloge murale tronc, je l'ai déjà. En fait. Je crois quand même, mais j'ai déjà. En plus, elle est pas terrible cette horloge. On voit pas bien l'heure dessus. Ça, c'est nul. Ça va être un des premiers habitants parce qu'il a l'armoire. L'armoire poire. Du coup, je pense que son île est une île poire de base. Et ça va être un de ses premiers habitants. Kéké, on est samedi. Ouais, j'aime bien les barrières. Les barrières en bambou. Les chaises bambou. 4x4, ça va me faire chier à la pierre. Ah, c'est peut-être reparti avec le système. Comment tu fais pour toucher ça? Ah, en fait, si. Hein? Une échelle, hein? C'est marrant. Ah oui, c'est toi qui as été Totoro, le monstre. Ça, c'est des stamps que j'ai déjà vus. Ah bah nous, t'es toujours ouvert. Bah ouais, qu'est-ce que serait une visite d'île sans aller chez le Nook? Bon, je vais tout acheter. Et en vrai, ça, c'est la guitare en bois. C'est trop bizarre. Vraiment, tu peux la crafter, cette guitare. C'est pas terrible. J'ai vu qu'il y a des Nooks où il y a des objets ici. Truc de camping. Allez, on achète le réchaud de camping. Ah, on doit toujours regarder les parapluies. C'est la tradition, ça, les parapluies. Est-ce que je vais acheter un parapluie aujourd'hui? Bah ouais, il y a un parapluie fraise. Je l'ai pas, celui-là. En vrai, je vais faire une expo de parapluies sur mon île. Ça, c'est assorti à mes... C'est assorti à mes choses, quoi. C'est quoi cette table? La douche, elle est vraiment en or. Ouais, c'est pas ouf, la colonne de douche. Hein. Cela dit, je vais quand même l'acheter, comme ça, si j'ai besoin d'une douche un jour, j'en ai déjà une. Et la table... Qu'est-ce que je voulais en faire? J'avais pas besoin d'une table à un moment. Ça coûte cher au moins? Je sais même pas. Ça se trouve, c'est super cher. 25 000 clochettes!
J'achète. Non mais en vrai j'achète, j'achète pour troller, c'est trop cher. Mais je crois que j'avais besoin d'une table. J'ai même plus ce que je voulais faire. We are open. Des roses noires. Ça doit être cœur. Ça, ça doit être pour faire des roses noires. Il y a beaucoup, beaucoup de cascades. En fait, il est pour... Alors moi, les cascades, j'en avais mis une derrière chez moi. Et ça faisait un boucan. Ça faisait un boucan, c'était horrible. Il y a des cafards chez toi, c'est normal. Ça me fait peur. En plus, je suis en calbut. Est-ce que je pourrais m'habiller au moins? Attends, je vais essayer de m'habiller un peu parce que... Je vais m'habiller avec une robe Pikachu, par exemple. Voilà, c'est réglé. Alors, à part les cafards, il y a deux requins baleines, GG. GG les requins baleines. Sale musique, détente. Je pars vite, il y a des cafards partout. Ils ont envahi la maison. Là, je pourrais pas dire non, je time travelais pas parce que les cafards ça trahit. Cafard égale time travel. Moi aussi je faisais trop ça avant. En fait, je mettais les. Bah, tout ce qui est carton là, je foutais les cartons, puis je mettais mes ustensiles dessus. Et bon, il y a un moment, faut grandir. Au moment où tu vois, t'achètes des tables anciennes à 25 000 balles pour mettre tes trucs dessus. Mais je time travel. Oh, mais je t'embête. Tout le monde time travel. T'as acheté la douche que j'ai trouvée aujourd'hui. Des chiottes japonaises qui détectent quand t'arrives. Bon, je savais pas qu'on pouvait mettre des chaussettes au sol. Apprends tous les jours. On fait de la moquette au sol dans une salle de bain. Moi, je suis pas super fan. Perso. T'as une île 5 étoiles. Putain, je suis surpris. Il y a un truc qui m'échappe. Regarde, avec des insectes. Ah, je l'ai ça. J'ai acheté 120 000, putain. Il y a des toilettes partout dans cette maison. Pourquoi il y a des toilettes partout? Voilà, c'est le coin chill, débarras, où il y a un peu de tout. Ouais, j'aurais mis la machine à laver dans la salle de bain. Et j'aurais mis le métronome dans la salle musique. Il marche d'ailleurs. Hop. Bon, continuons cette visite d'île. Moi je trouve le requin là est douteux, monsieur. Pas homologué de vendre ça, on mange pas du requin marteau. C'est les contrôleurs. Ça c'est un bar, les bars communs, ça tu peux les bouffer par milliers même. Ça c'est joli. Il y a toutes sortes de tables. C'est un restaurant et en même temps, tu sais. Donc, je vais visiter. Alors là, vous avez une table chinoise. Là, vous avez une table carrée, style années 80.
Là, vous avez une table en bois, tout simplement. Là, ici, vous avez une table de l'époque de moins 1500 avant Jésus-Christ, des hommes préhistoriques. Et là, vous avez une table en rondin de bois, pourquoi pas. Une deuxième table chinoise, parce que, bon, en vrai, elle a crafté gratos, hein, mais... Non, c'est rigolo. Ouais, j'achète des lumières aussi. En plus, je peux avoir les spots. Je crois que je peux avoir les spots que d'une couleur. Des transats. Avec des fleurs pour chaque transat. Des stamps aussi au sol. T'as une bouteille là. Juste là. Voilà. Oh, il y a Charles, Napoléon, Chavrina, Magogo, Axel. Oh non, Axel, c'est l'éléphant. Hors de question que je regarde cet éléphant. Hors de question que je regarde cet éléphant. Je veux juste voir Charles. Les toilettes d'or. Qui ? Axel ? Dors. Je sens que je suis rentré pour rien et que j'ai pris un chargement pour rien. Je le sens. Oh, c'est bien chez lui. Putain, je suis surpris. Il est cool en vrai. Pourquoi fallait pas se fier à sa tête d'arrosoir, quoi. C'est la poire. Il fait la réputation de cette île. Ah, c'est cool chez Axel en vrai. Il y a une chambre un peu enfant, quoi. Ouais, j'aime bien. Dors, dors. Ah, le plan dans la bouteille, d'accord. Là, par contre, je sais pas comment on va de l'autre côté de ton île. J'essaie de comprendre. T'as mis des tampons devant ton nook. Jamais je fais ça, moi. Après, je vais à tous les coups, je vais l'effacer, je vais m'énerver. Ah, merde, il est dehors, Charles. C'est moche. Il est moche. J'ai l'impression que chez lui c'est bien. Ah, c'est un chinois en fait. Ali. Allons voir Ali. Maître Ali, oui, c'est bien lui. Ali Ababa. Oh putain, je suis déçu. Au revoir, je veux même pas vous parler. En fait, je veux plus parler aux habitants que j'aime pas parce qu'après ils viennent chez moi, ça m'énerve. Il fait vachement clair chez toi. Hein. Et je pense que c'est pas assez clair pour les étoiles filantes. Ouais, il y a encore des nuages. Je pense qu'il manque peut-être des fleurs aussi sur moi. C'est quoi toutes ces herbes, mauvaises herbes? C'est une île 5 étoiles. Ouais, je pense que c'est le cas en fait. Ouais, c'est ça. Le pauvre. Il a fait un labyrinthe pour pas qu'on passe, mais comme on peut glitcher comme un porc, forcément ça marche quand même. C'est cool. Bon bah du coup on a fait le tour de l'île, on a pas vu juste la plage de gauche. Moi c'est là. C'est là où je vais devoir appeler le service d'aide de Nook. Bonjour, service d'aide de Nook, je suis coincé. Je veux virer elle. Elle, c'est laquelle déjà? C'est...
C'est Charles là ou la... Ah oui, non, la meuf que j'ai été là, je sais plus c'est qui, le crocodile là qui est tout moche. Ah ouais, non, le crocodile, je l'aime pas du tout quoi. Je sais pas vraiment comment on vire des habitants parce que j'essaie d'en frapper et tout. Et en fait... Et en fait, bah, elle s'est jamais barrée quoi. Enfin, les habitants que je trouve pas, ils se barrent jamais quoi. C'est un truc de ouf. Je déteste quand ça fait ça. Ouais, et cool le mini labyrinthe. Ah, on est obligé de descendre avec les chaînes. Oh, j'aime pas les flamants roses. Je les aurais donné. Une fois pour être en amoureux, mais on peut pas s'asseoir. Une fois amoureux, mais interdit de s'asseoir. Encore un requin, j'aime les requins, c'est en mode regarde chez moi, tu recaptures tellement des requins. Je suis sûr que ça c'est un requin. Non je déconne, c'est trop petit. C'est quoi, c'est pas un requin, c'est une baleine. Ça c'est Nemo. Au moins ça peut pas être un bar commun. Ouais c'est ça la trotte. Oh putain j'ai pas ce. Chien chat. Ah bah t'as fait ton potager, tiens. Tu vois, c'est ça que je voulais pas faire. Je voulais pas que ce soit collé comme ça. Ouais. Je voulais pas que ce soit collé comme ça, c'est pour ça que j'ai fait des espaces de deux. Et c'est pas juste parce que là, pourquoi toi on te dit pas que t'as trop d'arbres sur ton île? Tous collés au même endroit en plus, c'est abusé. Ouais, j'ai réparti mes arbres et puis on me dit ouais mais non mais il y a trop d'arbres sur ton île, sinon je peux pas payer 5 étoiles. Ouais, j'ai reçu aussi ce jeu. Ok, bah c'était bien sympa comme dit. Ouais, c'est cool ton île. Mais il y a des endroits qui sont bizarres en fait. Genre là tu vois c'est... bizarre, il y a la barrière là, là il n'y en a pas vraiment. Il y a des endroits où ça fait un peu n'importe quoi, il y a des endroits qui sont travaillés. Il y a beaucoup de structure, mais je pense que tu t'amuses juste en fait. C'est ce qu'il faut. Hein. Wally Wallat. Bon, moi je vais rentrer sur mon île. J'avais besoin des oranges, c'est ça. Ah mais tu m'as donné... Ah mais en fait tu m'as donné la race d'orange, j'avais pas vu, je croyais que c'était deux oranges. Tu veux que je t'en rende au fait? Que j'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin de deux oranges en réalité. Ah t'as pas fini ton livre, y'a pas de soucis. Mais tu veux les oranges? Non parce qu'en vrai j'avais besoin de deux oranges je crois, j'ai pas besoin de 20 oranges. Je croyais que c'était deux oranges qui étaient au sol moi, c'est pour ça que j'ai pris deux. Ok bah ça c'est bon, merci beaucoup. Parce que là si je replante les 20 oranges, ça va me redire que j'ai trop d'arbres sur mon île, c'est pour ça que je veux pas les planter. Bon bah... merci beaucoup. J'ai mon smiley bonjour que j'ai perdu ailleurs en fait. Wally Wallat, j'ai rien pêché. Bah si, j'ai pêché un chinchard donc je pars. C'est horrible les chinchards. Par contre, je vais pas ouvrir mon lit, je vais arrêter le stream là. Ouais, je vais arrêter le stream là. C'est déjà pas mal de temps que je stream. C'était même pas prévu comme stream en fait à la base. C'est juste parce que hier j'ai fait un stream troll et du coup je me suis dit bon aujourd'hui on va essayer de pas faire un stream troll quoi. Wally voilà. Mais c'était
C'est marrant d'aller voir des îles différentes. J'aime beaucoup le coin avec les buissons et les buissons, les lanternes et les spots alternés, c'est pas mal en fait. C'est vraiment joli. Par contre, faut aller voir Racine et faut acheter vraiment beaucoup de buissons. Et je crois qu'il était hier sur mon île de Racine. Oh, j'ai réussi à faire un Martin du ciel. C'est le départ, quoi, je vois mon île du ciel. Je suis plus content. Par contre, c'est cool. Il manque deux arbres, deux fauteuils autour de la table chinoise. Ouais, c'est cool. Je suis vraiment content. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre soutien et votre aide. Ça fait plaisir. Moi, je vais juste aller planter tranquille mes deux oranges. Enfin, deux. J'en ai plus que deux, du coup. Avant ça, je vais juste personnaliser ma pelle puisque je sens qu'elle va péter. J'ai pas envie qu'elle pète, n'est-ce pas? Si t'as plus quand même. Ça t'a plu quand même? Ah, mais oui, j'ai... Enfin, je viens de le dire justement, c'est cool en fait de voir des îles différentes. Et en fait, c'est rassurant de voir qu'on peut avoir 5 étoiles sans avoir un truc... sans avoir un truc super carré, avec des tampons partout, avec des trucs où tu sais qu'il faut passer 300 heures à faire l'île. Ouais, c'est cool, parce que moi, mon île, elle est pas ouf en fait, mais elle me plaît, j'aime bien la manière dont elle est faite. Maintenant, c'est pas, tu vois, j'ai pas envie de barrières partout là, j'ai pas envie non plus d'avoir des barrières partout sur mon île. Maintenant, s'il faut le faire pour avoir 5 étoiles, ben je vais le faire pour avoir 5 étoiles, je retire après, mais je trouve ça débile. J'aimerais bien avoir 5 étoiles avec une île. Non, c'est cool de voir différents. Non, moi je trouve ça vraiment cool de voir différents types d'îles. Et je suis pas tout le temps pour les îles. Les îles, j'ai vu avec des gens qui font des cascades partout. Bah, super bien ton île. Bah, merci beaucoup, Balata. Bah, en fait, mon île là, j'avais plus ou moins fini. Ah, mais il faut construire des ponts, je pense. Je vais faire ça aussi. On va le faire même tout de suite ensemble. Je vais acheter un pont. Je vais acheter un pont qui est cher. Tu vois? Je vais acheter un pont qui est cher et je vais le mettre là-haut. On va mettre quoi comme pont? On va pas mettre un pont japonais. On va regarder quel type de pont il y a. Et on va mettre un pont suspendu, ce serait bien. On va mettre un pont suspendu là-haut. Non. Et je pense que ça va rajouter des points aussi. Ce pont-là aussi, je pense qu'il faudrait le changer. Mais... Après, il manque plein de trucs dessus, sur ton île. Je sais que sur ton île, je crois qu'il te manque une zone un peu parc. Ah non, tu l'as. Il te manque des barrières, en fait, autour de la zone parc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme zone? T'as fait un seul restaurant avec plein de tables. Tu peux faire deux restaurants avec les ustensiles que t'as. Voire même faire plusieurs restaurants, en fait, sur chaque thème. En tout cas, du côté de la vidéo YouTube, on va s'arrêter là. Pour les autres, je vais mettre la rediff du live, c'est plus simple.